Nous recevons pour vous Maryse Gauthier. Elle est la présidente de Team Jock, une association qui promotionne un club privé de voyage en Afrique et dans le monde. Maryse Gauthier, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est pour vous la première fois que vous venez en Côte d'Ivoire. Comment trouvez-vous Abidjan? Je serais vraiment à mentir si je ne disais pas que Abidjan est une ville merveilleuse, verte. Et j'apprécie beaucoup cette verdure, ces arbres partout qui font la respiration d'Abidjan. Vous avez déjà eu la chance de goûter au mets préparé en Côte d'Ivoire? Bien entendu. Dès mon arrivée, le soir même, j'ai eu le plaisir de pouvoir aller m'asseoir dans un maquis et de goûter les petites choses locales. Atiké, aloko. Voilà, atiké, aloko. Et ça, c'était vraiment très, très bon. Merci. Alors, nous allons revenir à ce qui nous intéresse. Vous allez nous présenter votre association. Team Jock, c'est quoi? Alors, Team Jock est une association qui s'est donnée comme objectif de faire la promotion d'un club privé de voyageurs. Ce club privé, aujourd'hui, il est développé de manière importante en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et maintenant depuis 2 ans vers l'Est avec la Russie, l'Allemagne. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, en tant qu'ambassadrice de ce club privé de voyageurs, il était important que l'Afrique, qui est le plus grand continent, le plus peuplé, eh bien, que ce soit aussi des membres de ce continent qui puissent adhérer à ce club privé de voyageurs. Merci. Vous êtes donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'installation de Team Jock. Que va-t-il se passer ce samedi? Alors, pour installer le Team Jock ce samedi, nous allons créer un événement qui va nous permettre d'être en contact avec nos premiers membres, parce que Team Jock va créer en Afrique, d'abord à Abidjan, une équipe d'ambassadeurs qui va poursuivre ce travail de promotion à Abidjan et ailleurs. Donc samedi, nous recevons environ entre 200 et 250 personnes dans un espace, donc c'est le samedi, c'est le 26 février 2022, à partir de 19h30. Donc ça a été des personnes qui ont été invitées. Donc on est en soirée privée, VIP, pour présenter ce club. Pourquoi adhérer à Team Jock? Quels en sont les avantages? Alors, on n'adhérera pas à Team Jock. On va adhérer au club privé de voyageurs. Team Jock est le support, mais on adhère au club privé de voyageurs. Alors, l'intérêt d'adhérer au club privé de voyageurs est de faire en sorte que toute personne qui voyage 2, 3, 4 fois et même plus dans l'année, eh bien, qu'elle puisse augmenter son pouvoir d'achat en économisant sur son budget voyage. C'est ça la base. Et puis, deuxième volet de ce club, c'est de donner accès à toute personne membre du club à des articles, à des produits de luxe, puisque nous avons aussi une boutique de luxe en ligne qui permet d'accéder à tout ça, au luxe, en payant des prix de moins 20 à moins 70% par rapport au prix réel. Donc, c'est vraiment deux avantages importants. Voyager dans des conditions d'économie budgétaire et en même temps se faire plaisir aussi, cette fois-ci, en économisant également sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas achetées, mais qu'on va acheter parce qu'elles sont beaucoup moins chères dans le club. Alors tout à l'heure, hors antenne, vous étiez en train de dire qu'on a la possibilité également de faire adhérer d'autres personnes et pour se faire un autre business par derrière. Alors, il y a le fait que moi, je suis voyageur, donc je suis membre de ce club de voyageurs, mais je suis aussi ambassadeur. Et donc, toute personne qui est déjà voyageur et qui souhaite augmenter un peu plus son pouvoir d'achat, parce qu'il va l'augmenter avec ses économies, mais il pourra l'augmenter aussi en gagnant de l'argent en tant qu'ambassadeur. L'entreprise, la société paye tout ambassadeur qui va faire augmenter le nombre de membres de ce club. Donc je peux choisir d'être voyageur tout simplement, mais faire comme moi je fais aujourd'hui, faire en sorte que d'autres personnes adhèrent à ce club et être payées par l'entreprise pour ça. Alors, juste, je vais faire un petit rétro. Si je prends un exemple, si j'ai l'habitude de dépenser 2 millions pour un voyage, à partir du moment où j'adhère à ce club privé, combien serait ma dépense? Eh bien, on peut aller jusqu'à même 1 million, 1 million 2, au lieu de 2 millions. Et là, on est vraiment dans des montants de 800 000, 700 000, en fonction des destinations. Mais en tout cas, il est certain que votre pouvoir d'achat va être amélioré parce que vous allez faire forcément des économies. Avant de vous laisser partir, nous allons vous demander de regarder droit dans cette caméra et de lancer un appel. Alors aujourd'hui, je lance un appel à tous les habitants de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan plus particulièrement, puisque nous sommes là ce soir.
Vous êtes aujourd'hui plusieurs millions à voyager. Eh bien, nous vous incitons à nous rejoindre dans ce club privé de voyageurs et permettre à vos familles aussi de profiter de ce club privé de voyageurs en nous rejoignant, soit en tant qu'ambassadeurs, soit en tant que voyageurs. Nous sommes là ce soir et jusqu'au 8. Et après le 8, vous aurez une équipe d'ambassadeurs que nous laisserons sur place et qui pourront, avec un espace que nous allons également inaugurer le 1er, vous accueillir et vous faire découvrir ce club, même après mon départ. Merci Maryse Gauthier d'être passée sur ce plateau du Grand Journal à Business 24 Africa. Merci beaucoup à vous et merci aux auditeurs de Business 24.